Tiens! Salut les petits poulets! Bon, on est samedi? Les samedis, c'est tuto? Avec Gérard, hein, comme d'habitude. Et va ranger ta dirt, là, Gérard. Aujourd'hui, dans les samedis tuto, on va répondre à une question qu'on m'a posée il y a 2-3 jours sur la page. Puisqu'aujourd'hui, on va voir comment on fait pour fumer ces feux arrière de voiture. Alors, les feux arrière, bah, je suppose que tout le monde sait ce que c'est, hein, ça se passe par là à peu près. Donc, bah, on démonte. Voilà. Il est beau le 38, hein. Pour faire claquer un coup. Bon, bref, où on en était? Ah oui, au démontage. Alors pour démonter, bah ça se passe par là, là. Il y a des petits papillons, hein. Voilà. Ensuite, bah on enlève les fils et tout le merdier, là, hein. Bon, bah on a enlevé les fils et tout, là. On peut démonter le feu. On pousse un petit peu derrière, là. Oh bah le feu est démonté, il n'y a plus qu'à fumer. Bon, bah pendant que ça fume, on peut se laisser abattre, hein. Alors bien sûr, on peut rajouter sa petite touche personnelle. Gérard, fais pas le con, merde! Ah bah bravo! Ah! On devrait pas être mal, là. Voilà. À point! Bon bah, y'a plus qu'à remonter. Bon là, on voit qu'il y a un peu d'ajustement à faire, donc on n'hésite pas. Voilà. Oh. Ça me rappelle la copine d'un pote. Nous, on l'a jamais vu, mais il nous a sorti un jour, je l'ai trop limé à la fondue. Toujours dans le respect de la mécanique. Après, bah, on refait le merdier en sens inverse, hein. On rebranche l'écosse. J'ai dit on rebranche l'écosse. Voilà. Ah. Ça mérite encore un petit peu d'ajustement. On est pas mal. Bon bah voilà. Vous savez comment fumer vos feux arrière maintenant. Allez, bon week-end !